Maxime Nucci signe son grand retour, mais pas dans l'ombre d'un autre cette fois. L'artiste de 43 ans dévoile son troisième album enregistré depuis son studio parisien Spookland. Il a livré ses confidences aux Parisiens, sur son travail solo pour un disque, The Circle, dans les bacs à partir du 25 novembre, mais aussi sur des sujets plus intimes comme sa relation avec Johnny Hallyday, avec lequel il a collaboré jusqu'à la fin, et sur ses enfants. Pendant une décennie, Maxime Yodelis Nucci a mis son talent au service des autres, comme Jay-Z mais aussi Johnny Hallyday. Ils ont collaboré ensemble sur les albums Jamais Seul, De l'Amour, Rester Vivant et le dernier, posthume est baptisé Mon Pays Si Est-il Amour. Pour le Parisien, le musicien accepte d'évoquer ses liens avec le taulier, décédé il y a près de 5 ans, avec Johnny, tout est sujet à fantasmes, à polémiques, et je n'ai pas envie d'être là-dedans, confie-t-il au journal. J'ai envie de garder pour moi ces souvenirs et ne pas tomber dans ce qui s'apparente souvent au voyeurisme. La quête du précieux durant ces 5 dernières années, Maxime Nucci a fait le deuil de l'icône avec laquelle il a tant œuvré. Peu à peu est né The Circle, au rythme folk si mélodieux. Il a changé récemment de manager et de maison de disques pour retrouver son personnage de Yodelis, mais le chapeau et la larme sous l'œil de son personnage, si est-il fini, précise le quotidien. Sur sa pochette figure un diamant brut, en expliquant sa signification, il évoque les siens, si est-il la quête du précieux et où on place son précieux. Cette pierre symbolise le luxe, le paraître, alors que sa composition est proche de celle du charbon, qui nous chauffe. Mon précieux est dans les choses simples, les enfants, la famille. Maxime Nucci est particulièrement discret sur sa famille, voulant protéger à tout prix l'intimité des siens. Il est papa d'un garçon, Aaron, qui va bientôt fêter ses 19 ans et dont la mère est Jennifer. Puis, avec sa compagne la journaliste sportive Isabelle Iturburu avec qui il est en couple depuis 2015, il a accueilli la naissance de Mia, 4 ans. Sa bien-aimée dévoile parfois de tendres clichés sur Instagram.